Salut tout le monde, c'est Essou, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing de figurines, mais cette fois ce sera pas une figurine, mais deux. Et autant vous dire que ce carton est vraiment très gros. On va commencer tout de suite avec le plus petit, hein. On a la petite carte comme d'habitude de chez AmiAmi. Et tadaaan ! Je sais pas si vous la reconnaissez, mais de toute façon son nom est écrit juste ici. Si vous connaissez l'œuvre We Never Learn, eh bien c'est Mafuyu Kirizu, c'est la professeure. Et je suis trop contente de la voir, elle est vraiment trop belle. La petite Mafuyu, je l'ai payée 14 880 yens, donc environ 118 euros hein, avec tout ce qui est frais. C'est une 1/7, donc elle fait 23 cm. Le fabricant, c'est Alter, est sorti du coup en juin 2021. Ça y est, je l'ai reçue, du coup on va la déballer ensemble. Donc voilà, on a un petit socle assez sympathique avec des petites couleurs, des petites formes, son nom, le nom de l'œuvre. Il est sympathique, il est mignon. On a la bête. Elle est vraiment magnifique. Elle est sublime. Très très belle. Et oui, du coup, c'est la version maillot de bain. Il y a aussi une version bunny, mais je l'ai loupée et puis elle coûtait super cher. Déjà que celle-là, elle n'était pas donnée, hein. C'est pas souvent que je mets plus de 100 euros dans une figurine, mais j'ai vraiment adoré cette œuvre et j'aime beaucoup ce personnage. Donc là voilà, on va la mettre sur son socle. D'ailleurs l'autre figurine aussi est chère, et même plus chère que cette Mafuyu. Vous êtes pas prêts, elle est trop belle. Et voilà, elle est incroyable. Je vous ferai de toute façon des petits plans où vous les verrez toutes les deux une fois déballées de plus près. Pour la première figurine, nous avons une magnifique Mafuyu Kirizu de We Never Learn en maillot de bain. La boîte est assez simple, hein, c'était une boîte transparente, mais derrière on a quand même une jolie illustration de la figurine. Tout simplement, après en voilà, il y a le nom du personnage. Voilà. Et bah du coup on va passer à la deuxième figurine. Tadam ! Alors je sais pas si vous arrivez à voir, mais la figurine est vraiment très grande. Elle est vraiment très imposante. Ça se voit un petit peu hein, par rapport à moi, elle fait presque ma taille. Figurine, c'est une Fairy Tail Another chez Shire Cat. Ils ont fait une collection Fairy Tail où il y en avait d'autres comme Alice au Pays des Merveilles, il me semble. Le Lapin Blanc aussi, enfin voilà. Et je les ai loupées, sauf celle-là. Celle-là, quand je l'ai vue, je suis sortie ma carte bleue. Parce que je suis une grande fan de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. J'aime beaucoup le personnage du chat. Et ben voilà, c'est une version figurine revisitée qui est vraiment magnifique. Vous allez voir quand je vais la déballer. Elle m'a coûté 22 300 yens, donc environ 175 euros avec les frais et tout. Et j'ai également eu les douanes parce que c'est génial. Déjà qu'elle coûtait pas assez cher, hein. Du coup, j'ai eu à peu près j'ai eu 43 euros de frais de douane, donc voilà, elle m'a coûté au final plus de 200 euros. Ça pique, mais franchement, je regrette rien. Elle est vraiment magnifique, vous allez voir. Non, c'est une 1/8, elle fait 30 cm. Le fabricant, c'est Maietos, et elle est sortie également en juin 2021. Bon, du coup, on va pas vous faire patienter plus longtemps, on va la déballer. Je vous montre juste vite fait la boîte. Donc voilà, c'est une boîte transparente avec des petits détails comme ça. Il y a le nom qui est écrit juste ici. C'est écrit en violet, c'est très joli, vous voyez. C'est vraiment une très jolie boîte. Voilà. On perd pas plus de temps, on va l'ouvrir. On a une jolie carte comme ça, du coup vous voyez un petit peu à quoi ressemble la figurine, ça brille un petit peu, mais voilà, c'est une jolie illustration, c'est cool, je vais la garder. Super, il y a la notice, j'ai vraiment peur de la casser, hein, celle-là pour le coup, maladroite comme je suis. Ok, maintenant on passe
au montage de la figurine. Oh la vache, elle est trop belle. Je vous montre déjà juste le personnage. Elle est incroyable, non? Elle est vraiment sublime. De toute façon, je vais vous faire de plus beaux visuels après, mais elle est incroyable. Mais regardez ça! Regardez-moi ce socle, il est incroyable! Il est magnifique, il est incroyable. Je suis subjuguée par la beauté de la figurine, quoi. Ok. Et ensuite, sur le socle, on a également des fleurs à mettre. Oh, elles sont trop belles. Elles brillent même un petit peu. Je pense... Je sais pas si vous allez voir. Mais elles brillent un tout petit peu. Elles sont super jolies. Et on a également une rose. Rose. Et voilà, maintenant je vais vous montrer les figurines d'un peu plus près. Et du coup, les voilà toutes les deux. Alors ici, on a la Cheshire Cat. Je vous la montre de plus près. Elle est vraiment incroyable. Elle est vraiment canon. Le socle est incroyable. Tout est vraiment incroyable sur cette figurine. Je suis contente, j'ai rien cassé parce que bon, c'est pas gagné avec moi. Je la tourne juste doucement pour que vous puissiez voir aussi l'arrière. Elle est vraiment super belle. Je regrette absolument pas de m'être ruinée pour l'avoir. Faut que je réfléchisse, hein. Je sais pas trop où je vais la mettre pour l'instant, j'ai pas encore ma pièce, donc j'ai pas encore de vitrine dédiée pour des figurines aussi spéciales qu'elle, mais je verrai. On va lui trouver une petite place provisoire. Du coup, voilà. Et pour ma Fouillou, alors elle aussi, hein, elle est vraiment mignonne, très jolie. Voilà, en petit maillot de bain. Avec son petit socle. Elle est beaucoup plus simple que la Cheshire Cat, mais ça n'enlève rien à son charme. Elle est vraiment sublime, elle aussi. Et elle ira directement avec les mangas We Never Learn et sa petite copine, la Nendoroid de Fumino. Donc, c'est génial. Ma Nendoroid se sentira moins seule. Donc voilà, cette vidéo unboxing de figurines est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelle figurine vous avez préférée. Moi, je ne peux pas avoir de préférence. Un personnage que j'aime énormément et une figurine que je trouvais vraiment magnifique avec un univers que j'aime énormément. J'espère que vous êtes content d'avoir eu du coup deux figurines en un. N'hésitez pas à me dire si vous avez acheté des figurines ce mois-ci, ça m'intéresse pas mal. J'en ai encore une qui doit arriver ce mois-ci. Normalement, elle vient de partir justement du Japon aujourd'hui. C'est Norman de The Promised Neverland. C'est la Nendoroid. Du coup, elle pourra rejoindre Emma. J'espère qu'un jour, ils feront Rare Nendoroid, histoire d'avoir le trio quand même au complet sous cette forme-là. Surtout que Rare est pour moi mon personnage préféré. Donc j'espère vraiment qu'ils vont faire un Nendoroid de Rare. En attendant, eh bien, je vous souhaite une bonne journée.